Accepte les différences avec ta flamme jumelle. La communication est la clé d'une bonne relation. Lorsqu'il s'agit de communiquer avec ta flamme jumelle, il est important d'accepter les différences et de s'y engager. Chaque flamme jumelle a sa propre compréhension des relations et sa propre façon de se comporter. Il est important que les deux partenaires soient prêts à s'engager l'un envers l'autre et à s'écouter. Cela vous permettra de trouver ensemble de nouvelles façons de résoudre les problèmes et d'éviter les conflits. Il est également important que vous restiez ouvert aux sentiments de votre flamme jumelle et que vous essayiez, dans la mesure du possible, de les comprendre. Une communication positive peut aider à dissiper les malentendus entre les deux partenaires et à renforcer l'intimité. Si vous pouvez vous respecter et vous accepter mutuellement, cela peut aider à construire un lien plus profond et à renforcer la relation. Si vous avez du mal à parler de vos sentiments ou de vos pensées avec votre flamme jumelle, il peut être utile de faire appel à un soutien professionnel. Un conseiller professionnel ou un consultant peut vous aider à développer et à adapter des stratégies de communication efficaces, ainsi que des techniques pour mieux résoudre les conflits. Cela vous aidera non seulement à communiquer avec votre flamme jumelle, mais vous permettra également d'en savoir plus sur vous-même et de prendre de meilleures décisions pour la santé de la relation. Pour maintenir ou rétablir l'esprit d'une relation réussie avec votre flamme jumelle, il est important de reconnaître et d'accepter les différences de chaque partenaire et de les voir comme quelque chose de positif. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de construire un lien fort. Accepte les différences de ta flamme jumelle, apprends à mieux te connaître, pardonne tes erreurs, respecte l'autre, investis du temps dans ta relation, travaille ensemble à des solutions, profite de chaque instant. Avec cette conscience, il est possible de créer des liens forts.